jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Apprenez à faire du thé Corosol pour perdre du poids. Le thé de Corosol est préparé avec les feuilles de la plante, étant très salutaire pour la santé. Cependant, beaucoup de gens ignorent les propriétés du Corosol pour combattre différents types de maladies. Le Corosol a son origine dans les Antilles, mais se trouve facilement dans plusieurs pays latins. Regardez ci-dessous comment faire du thé Corosol pour perdre du poids. Pour quel thé Corosol? Le thé Corosol sert les maladies suivantes, l'asthme, l'arthrite, les coliques, le diabète, la diarrhée, l'hypertension, la dépression, l'insomnie, les rhumatismes, l'ulcère nerveux, gastrite, constipation, le diabète, la migraine, l'hypercholestérolémie, la grippe, le rhume et certains le cancer. En outre, ce thé fait avec les feuilles du Corosol aide dans le processus d'amincissement. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont consommé du thé Guan à accent aigu Bana ces dernières années. Le potentiel anticancéreux a incité de nombreuses personnes à rechercher la guérison du cancer grâce à cette boisson incroyable. Cela se produit en raison du principe actif du nom à ce vitamine. Nutriments et vitamines Corosol. Le Corosol, ce thé, contient une grande quantité d'hydrates de carbone, de la vitamine C, la vitamine du complexe B, B1 et B2, et d'autres composés bioactifs. Les feuilles du cormoran ont des propriétés diurétiques qui aident à éliminer les toxines dans l'urine. Avec cela, la diminution des fluides corporels se produit, ce qui amène la personne à perdre du poids de manière significative. Pour ceux qui ne connaissent pas, le thé Corosol apporte plusieurs avantages pour la santé, en particulier pour les personnes qui veulent perdre du poids. Cette boisson a une action expectorante, sédative, astringente, anti-inflammatoire et antispasmodique. Comment faire du thé de Corosol? Si vous voulez vraiment perdre du poids, notez les recettes de thé Corosol que nous préparons pour vous. Recette de thé au Corosol. Ingrédients. Corosol, 6 feuilles. Eau, 1 litre. Comment préparer? Tout d'abord, vous devez laisser les feuilles Corosol au soleil à déshydrater, ou si vous préférez les prendre au four pendant environ 5 minutes. Ensuite, vous devez écraser les feuilles avec vos mains. Puis faire bouillir l'eau et ajouter les feuilles écrasées, en reposant pendant 10 minutes. Enfin, filtrer le thé et boire. Il est idéal pour aider dans le processus de perte de poids. Recette de thé au Corosol, feuilles séchées. Ingrédients. 10 g de feuilles de Corosol. Eau, 1 tasse de thé. Comment préparer? Vous pouvez laisser les feuilles Corosol au soleil à déshydrater, ou faire dans le four pendant environ 5 minutes. Après refroidissement, écrasez les feuilles avec les mains et ensuite les placez dans l'eau chaude, laissant infuser pendant environ 10 minutes. Ensuite, ce n'est que pour filtrer et boire, sans l'ajout de sucre, comme pour perdre du poids. Thé Corosol n'est pas indiqué pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes et les oreillons ceux à basse pression. Ceux qui ont des aphtes ou des plaies dans la bouche devraient également éviter de boire. Une consommation excessive peut provoquer des nausées et des vomissements. Maintenant, vous savez comment faire du thé Corosol. Si vous voulez perdre du poids, notez la recette et faites cette boisson. Partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.